Bienvenue, bienvenue chez vous. Nos félicitations, vous les méritez. N'ayez pas peur, n'ayez plus peur. Désormais, nous nous occupons de tout. Nous nous occupons de votre bonheur pour toujours. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas mal. Oui, oui, très fort. Mièvre. Mièvre. C'est vrai, c'est un peu... C'est la taille de l'écran qui fait ça. La voix n'est pas terrible. Franchement, c'est décevant. Le public test a eu de très bonnes réactions. Ah, si le public a bien réagi. Ça reste quand même mièvre. Ben, c'est peut-être le montage. Pour toujours, ça glace. Mais vous étiez d'accord sur le principe. Trouvez-nous autre chose pour la prochaine fois. Moins mièvre. Bien. Mais ça risque de prendre du temps. Débrouillez-vous. Bien. Si nous en venions à l'ordre du jour. Certainement. Nouveaux arrivants. Mélanie G. Origine du transfert. Électrocution. Ouvrez, madame. Bonjour. Pourriez-vous m'expliquer ? Nous avons une mission, madame. Nous avons ordre de vous emmener. M'emmener ? Mais où ? Loin, très loin d'ici. Mais je n'ai aucune intention de partir. Vous devriez peut-être vous retourner. Histoire de comprendre. Vous auriez dû faire attention avec ce spot. Claude F., ça ne vous dit rien ? Ne vous inquiétez pas. Maintenant, on s'occupe de tout. Gilles J, vieillesse. Fabien F, attaque cardiaque. Alain C, blessure par balle. Oui, on vous fait confiance pour le décompte. Si on parlait de choses sérieuses. Une petite explosion nucléaire. Ce n'est pas prévu avant longtemps, vous le savez bien. Il nous faut des résultats. Ce serait un bon moyen. Nous devons réguler, pas annihiler. Vous en avez pas eu assez ? Assez de guerres, de génocides ? De petites escarmouches. Rien en cinémascope. Rien d'excitant. Je vous autorise deux catastrophes naturelles dans le mois. Pas une de plus. Un typhon. Un vieux volcan qui se réveille. Une nouvelle maladie. Intéressant. Il faut travailler le concept. Une saloperie pour les grandes nations. J'en ai marre de décimer les pauvres. Je crois que vous vous excitez beaucoup trop. Nous avons un objectif. Ce n'est pas un divertissement. C'est vous qui le dites. Je verrais bien un truc crade. Une toxine. Dans les graisses animales. Un virus qui rembarge. Déjà fait. Alors, quelque chose qui pourrit les vieux. Il n'y a pas déjà assez d'horreur dans le monde. Oh, mon cher, vous ne voyez pas grand, vous avez une mentalité de fonctionnaire. Mais vous avez besoin de mon accord, de notre accord, pour produire vos idées. Je n'ai besoin de personne. Et personne ne peut m'en donner ce que je dois faire. Oui, monsieur. Bien, monsieur, je vous le passe. C'est pour vous. Monsieur ? Non, ce ne sont que des mots, je ne pensais pas. Je comprends, monsieur. Bien, au revoir, monsieur. Vous croyez qu'ils en ont conscience ? Savent-ils qu'on les dirige ? Que leur chemin est tracé, écrit, imprimé ? Que le hasard n'est qu'un leurre. Je crois qu'il s'en doute.
Oh.